Alex Geoffrey, Frédéric Vion et Laura Kelucci. Waterloo, ah bah, quand ça a remporté l'Eurovision, on a bien rigolé. Honnêtement, souvenez-vous, on s'est dit, bon, ça va être sympathique et tout. Je n'étais pas né, c'était en 74. Il se trouve que j'ai une vingtaine d'années. Je ne sais pas de quoi vous parler. La télé est en noir et blanc. Bon, demain, on ne cesse de le dire, demain, c'est l'Eurovision. Ça se passe à Lisbonne avec Frédéric Zetoun. L'autre jour, on a parlé de ceux. On a dit, il y a une vie après l'Eurovision pour celles et ceux qui n'ont pas gagné. Alors, vous avez pris un angle un peu différent. On va voir des images assez étonnantes des débuts de l'Eurovision. Oui, et des fins aussi, parce que c'est ça. L'Eurovision, c'est ça aussi peut arriver. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est quand même regardé par un demi-milliard de c'est quand même, c'est un truc de malade, en termes d'audience. Voilà, ça a commencé en, que je me trompe pas, en 56, en Suisse. Et en fait, la motivation première de l'Eurovision, loin de la chanson, tout ça, c'était un peu pour réunifier l'Europe après la guerre en disant, mais on est copains, tout le monde se parle, ça va, regardez, on boit des coups. Et en fait, quoi de plus fédérateur que la musique? Et donc, en 56, c'est organisé en Suisse. Il y a que 7 pays. Donc, ça se bat pas non plus beaucoup, voilà. De l'Ouest. En plus, oui. Et alors, la gagnante, je voulais retrouver, c'est Lys Assia. Donc, voilà, c'est la première gagnante ever de l'Eurovision. Regardez, ça déboîte. Nous s'en sont allés et nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Génial, on a l'impression que c'est tourné dans un cabaret pas très très grand. Et vous avez vu, en termes de réalisation, c'est tiens, on va bouger la caméra puisqu'on n'en a qu'une. On va pas faire tiens, je montre les musiciens. Non, on fait. Donc la les gens, à mon avis, chez nous, ils avaient le bobby. Ils disaient ah là là, c'est beau le. Donc non, mais en même temps, c'était le principe, c'était les tests de retransmission en direct. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que maintenant, on a oublié que tout ça avait un sens, une fonction. C'est un peu chiant, je le raconte. Je m'en rends compte. Ah, je pas bien du tout, parce que ce qui va suivre, capital. Ce qui va suivre est capital. Voilà, la musique de l'Eurovision, hein, qui était la musique de l'ERTF. Pam, 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 pam. C'est le Tédéum du Charpentier de 1692. Donc. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 60 dernières années, il y a eu quand même plein de versions. Donc, ça a été parfois discoifié, parfois worldisé. Et je vous ai retrouvé, pour le pire, le meilleur, surtout le pire, quelques extraits. On écoute. C'est pas mal. Ouais, je crois que je préfère la version originale. Hein. C'est pas la flûte, si je vous ai vu sur la flûte. Ah, la version sur la flûte, ouais, j'ai eu un petit. On peut voir en replay Thierry qui danse. Voilà. Bah oui, c'est une sorte de compromis entre Bonne Nuit les Petits. Exactement, il y a un annonce qui arrive et au début de l'émission, tout le monde s'endort. Coupé. Alors, là j'ai besoin de ma feuille parce que c'est très dur. Si je vous dis Diggy Lou Diggy Lay en 84, ou Boom Bang Bang, ou alors Ding Dong en Hollande en 75, ou alors Abani Bibi, ça c'est, c'était en Israël en 1770. Oui. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1998, les pays devaient chanter dans leur langue. Et c'était mieux. Mais ne te fâche pas. D'abord, arrête de crier. Qu'est-ce qu'il a. Donc, ils devaient chanter dans leur langue. Donc, évidemment, quand vous avez une langue un peu rugueuse, hein, je discute pas de ça, mais voilà. Donc, vous arrivez, vous avez quand même moins de chance que le gars qui a une langue un peu. Lo solo mio, voilà. C'est des langues avec des R et des trucs. Donc, au bout d'un moment, tout le monde venait avec des onomatopées, avec des wannabed, gigi, lou. Et alors, moi, je vous ai trouvé le vainqueur absolu. En 1968, l'Espagne, avec Maciel, la chanson qui s'appelle La 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 La. Et alors toi, tu sais combien il y a de fois La 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 dans la chanson? Ah, je sais qu'à la fin, pendant une minute, elle me dit que ça. Exactement. Il y a 138 fois La La La. 138 fois, et elle a gagné. Comme quoi, c'est pas la peine de s'emmerder avec les paroles. Allez-y avec des onomatopées. J'ai dit emmerder, c'est pas grave, on pourra le couper. Là, 138. Regardez, j'ai pas les 138, hein, mais il y en a une bonne vingtaine. Ça a gagné l'Eurovision. Oui, mais Franco avait payé le jury. Franco avait payé le jury, c'est vrai. Oh non, vrai, tu dis ça, tu es en colère. Allez, on regarde. On regarde. On s'est arrêté au 59e la la la. Hein. Ouais.
Voilà. J'adore la robe. Avec Fred, on kiffe la robe. Ah oui, la mini-robe, génial. Bon. Très courageux. Ouais, c'est très bien. Donc, on croise les doigts pour demain. Pour madame, monsieur, voilà, merci. Voilà. C'est possible. Il y aura certainement quelques surprises comme celles que vous avez proposées aujourd'hui. Il y en a toujours. On verra ça demain. Il y a du chelou. Et on verra tout ça avec notre partenaire, France Bleu, partenaire de l'événement. Merci, Alex.